Nous venons juste d'apprendre Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, est gravement malade à la maison centrale de Conakry, où il est détenu depuis le 1er août. L'activiste est sur le point d'être évacué à l'hôpital, selon nos confrères d'AfricaGuinée.com. De quoi souffre-t-il? Selon Maître Salif Beyavogui, Ibrahima Diallo souffre d'un problème cardiaque. Ibrahima Diallo est malade, il est sur le point d'être évacué à l'hôpital. Il a un problème cardiaque, nous a brièvement expliqué son avocat. Faut-il rappeler que Ibrahima Diallo a été inculpé le lundi 1er août 2022 par le tribunal de première instance de Dixin, ensuite placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry pour trouble à l'ordre public, incendie, pillage et destruction d'édifices publics et privés, entre autres. La date de l'ouverture de son procès n'est toujours pas annoncée.